Marquesan, donc du coup de Marignane, pour une journée d'immersion, de découverte en immersion pour les candidats souhaitant devenir pompiers volontaires. Ces personnes sont donc présentées ce matin à 6h45 pour participer au rassemblement de la garde, où on leur a expliqué comment fonctionne la garde à Marignane. Le but de ces journées étant de les immerger dans une garde opérationnelle. On les a fait participer à des inventaires, donc du coup d'un véhicule sanitaire, une ambulance, et ensuite d'un véhicule incendie, afin de leur montrer la réalité de nos missions en caserne. Ensuite, nous avons pratiqué un test de robustesse, un parcours sportif adapté, pour voir leur engagement physique et leur robustesse psychologique dans l'effort. Ensuite, nous allons leur présenter le statut de pompier volontaire, qui est donc une particularité française, et du coup de voir l'exigence de ce statut-là et dans quelle voie ils souhaitent s'engager. Ensuite, ils vont avoir un module de secourisme avec les gestes qui sauvent, pour qu'ils soient de très bons citoyens en étant formés aux gestes de premier secours. En fin d'après-midi, nous allons leur faire tester encore faire réaliser des tests sportifs pour tester leur niveau sportif général. Et nous allons clôturer la journée par un débriefing et un questionnaire sur la séance découverte et sur leur motivation. On voit que la plupart, on va dire, sont déjà bien affûtés physiquement. Est-ce que vous leur demandez quand même leur motivation à devenir pompier volontaire? Parce que je pense que ça diffère. Certains parce qu'ils en rêvent depuis tout petit, d'autres parce qu'ils s'y sont intéressés via un reportage justement. Vous cherchez à savoir un peu ce qui les motive? Exactement, on ne cherche pas forcément que des très bons sportifs, on cherche justement des très bons pompiers. Il y a un très bon pompier, oui, il y a le côté sportif. Donc oui, on s'entraîne régulièrement pour ça, parce que l'intervention nous demande beaucoup d'engagement physique à certains moments. Mais ce qu'on nous intéresse donc, c'est d'avoir des bons pompiers, du coup, qui soient stables et qui durent dans le temps.